Bismillah ar-Rahman ar à tous de la chaîne cours de mécanique du point pour les étudiants de l'exercice numéro 3 chapitre le chapitre outils mathématiques, vecteurs et systèmes de coordonnées l'exercice qui dans un repère R fixe on suppose que le repère est fixe rapporté à une base orthonormée avec cela une base orthonormée direct, i I1, i2, et3. On considère les deux vecteurs suivantes, v1, l'éclat 2, t et 1 plus t i2 plus i3. V2, l'éclat 4, 4, t i1, moins t i2, moins t i 3, avec t 1 le temps. On demande de calculer les dérivés d sur dt dlv v1 produit euh, scalaire dlv v2 par rapport à r et d sur dt la dérivée del produit vectoriel par rapport à r. Soit par calcul, et première, la première question par calcul direct, comment, deuxièmement, en utilisant les, les propriétés des dérivée vectorée. À la de donc, on dit la base est orthonormée, la base I1, I, I1, G1, K1, la base I1, G1, K1 est directe. Orthonormé. Orthonormé. Donc, la base directe est orthonormée, c'est-à-dire que I1 produit scalaire de LG1 de vecteur est égal à 0. I1 produit scalaire de 1 est égal à 0. g 1 produit scalaire de LK1 est égal à 0 et i produit scalaire d'I i produit scalaire d'al i est égal à 1 tout le monde j produit scalaire d'I j est égal à 1 tout finalement k produit scalaire d'al k est égal à 0 est égal à 1 tout le monde i j k directeur. Mais c'est-à-dire que le produit vectoriel de l'i j est orthogonal vecteur k. Ma, le produit vectoriel de l'j carré orthogonal i. Fait le sens, à avoir le sens positif. Donc j produit vectoriel de l'k qui est i. De même, eh, k vectoriel i k, produit vectoriel de l'i est j. Et i produit vectoriel de l i attenant 0 j, produit vectoriel de est 0. 0 k produit vectoriel de l'k est égal à 0 donc c'est un rappel de base directe et autonome. passons maintenant les deux vecteurs donc prenons les deux vecteurs les v1 et v2 donc on la dérivée je calcule D sur D de T dial V1 produit vectoriel DL, V2 par rapport à R. Pour calculer la dérivée, je calcule tout d'abord le produit vectoriel, le produit scalaire V1 V2 est égal à 2 ti 1 plus ti I2 thomas plus I3. Produit scalaire DL. 4 t i1 moins t i2 moins t i3 donc là c'est beau produit scalaire en nom bad rappel. donc le produit scalaire des les mêmes vecteurs donc un ardo une autre couleur un ardo i fois i moins i1 i2 fois i2 et finalement et 3 fois et 3. Donc, on a le solaire de t fois 4t, il y a 8t au carré. C'est un scalaire. Tout le t fois moins t, il y a moins t au carré. Tout le 1 moins t, il y a moins t. Donc, on a 7t au carré moins t. On va avoir le produit scalaire v 1, v2. Donc, maintenant, on déroule la dérivée. Donc, d sur d de t d lv1, produit scalaire d v 2 regardez, on a, a un dérivé par rapport au temps, donc on a 14 t moins 1. Donc, on avoir le résultat final. Autre, une autre méthode de calcul, autre méthode, c'est l'ISM, il simples le calcul, il y a le produit, la notation le produit scalaire, donc un ardo vecteur V1 de coordonnées de T, Thomas T, 1. C'est plus simple. Il la a base. La base va à la base B, a que B, A, I, 1, I, 2, I, 3. Il y a de la composante selon I, 1, 2, 2, composante selon I, 1, 2, 2, 3. composante selon I, 3, v 2, Composante de la a 4 T moins T T Thomas moins T. Donc le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal donc il n'y a pas chèque 2 T t1, T 1 Thomas produit scalaire 4 T moins T et moins T qui est égal Donc on a selon la base B la base B donc, can de les mêmes lignes sont plus simple. et en rebond de la ligne fait de la ligne. 8, cela 8 t au carré. Thomas rebond de la ligne deuxième ligne. Les composants derrière cela moins t au carré. Thomas l'autre cela la moins t les t carré moins t. Quel le résultat? je préfère la notation les plus simple. Maintenant, la dérivée d sur d de t d'elle v1 produit vectoriel d'elle v2. Quoi est égal à de la dérivée Donc, on a v1. Tout d'abord, on va calculer v1 produit vectoriel d'elle v2. On a ce qu'on de le calculer tout d'abord. Donc, c'est 2t selon i1 plus t selon i2 plus 1. Selon I3. Produit vectoriel. Dial 4. T selon I1. moins T selon I2. tout moins T selon I3. Maintenant le produit vectoriel de cette méthode. Nous avons développé I1. Produit vectoriel dial I1. On a 0. qui, rappel. Nous rappel. Nous fait un I, I, produit vectoriel, il même vecteur qui à 0, g vectoriel, g à 0, k vectoriel carré à 0. Ou, je peux calculer par année, développer l'autre, i1 fois i2, comme i1 fois i3, ainsi de suite. Ou, j'écris de cette façon, v1 produit vectoriel, il v2, maintenant, on a les éléments de, de la base, et 1, et 2, et 3. Tout le monde les éléments d'LV1, la base Et 1, et 2, et 3, les éléments de T, le checkl, tout le T, tout 1. Les éléments v 2 d'ailleurs V2, donc c'est 4, T, moins T, moins le produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, pour calculer la composante selon I1, je te vois là, la ligne. Donc, on a le déterminant, le reste, l'éroïde. Donc, c'est moins t carré, moins t carré, moins 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 avec le moins entretenu, plus, plus t selon I1. Tout le pour calculer la composante selon I2, quand je te vois là, donc je vais aller à 2 l'autre déterminant, c'est donc c'est 2T fois moins T, le plus, 2T fois moins T, et un moins T carré, on a un moins, on a la première colonne, on a le plus, la deuxième, on a le moins, la troisième, on a le plus, donc on n'a jamais moins, Moins 2t carré, tout le monde moins 4t. Selon i2, tout le monde, selon i3, et y a Selon i3, il y a un Plus, il y a un plus ici, 2t fois moins 2t, moins, moins 2t carré. Comment moins des carré d'AC moins 4 t carré selon I3? Léa moins t carré plus t selon I1. Comment il y a moins on peut factoriser moins tous les plus? 2t carré plus 4t selon I2. Comment? Je peux factoriser par moins. Donc, déjà, on dit moins 6, donc c'est moins 6t au carré selon I3. Donc, on d'avoir le produit vectoriel de V1, V2. Le résultat, on dire la dérivée. Donc, D, D de V1, produit vectoriel de V2 par rapport le temps, le repère R, est égal. Je dérive par rapport le temps, à cela, moins de t plus 1 selon i1. Donc là, de bien, la dérivée du produit vectoriel, c'est un vecteur, plus 4t plus 4 selon i2, moins 12i3. Moins 12t, 12t I 3 Là, on voilà le résultat. Les dérivés du produit vectoriel V1, vide. Faites attention. Je n'ai pas dérivé. Normalement, je dois dériver D2I1. D2I1 sur D2T C est égal à D2I2 par rapport à R sur D2T par rapport à R C est égal à D2I3 sur D2T par rapport à R C est égal à 0. On a la base I1. I2 et 3 est lié, c'est une base r 1 Il est lié au repère, et est lié à R. Là, au repère R. Il fixe, notre façon fixe, dans R. Il faut bien que la dérivée de la charge fixe est égale par rapport au repère R, est égale à 0, dans R. Maintenant, deuxièmement, même calcul, calcul par propriété de calcul vectoriel. Donc, on dit D sur D de T. un rappel en même temps des calculs. DL, V1 Produit scalaire de v2. On a pu qu'un un produit donc c'est v1 v1 fois d2 v2 sur d2 t plus v2 fois d2 v1 sur d2 t toujours par rapport à r donc on a par rapport à r. Ça La formule suivante dit la dérivée de f fois g est égal f' fois g plus f fois g' la propriété de, la, euh, euh, de la calcul vectoriel, d'elle dérivée par calcul vectoriel. Donc prenons v1 et v2, il y a 9 exercices, notation de liste multiple, 9 la base B, donc v1 y est lié, la sébola v. D de V1 sur D de T par rapport à R est égal. N'oubliez pas toujours bien I1, la dérivée de i 1 la dérivée de i 2 la dérivée de i 3 est égal à 0. Donc on a la dérivée, je dérive seulement la composante a 2 Je dérive par rapport au temps. A, a 0. Tout le monde, on a la dérivée de 2 D de T par rapport à R est égal à 4. Moins 1, moins 1. Donc, là, un qui n'est pas bon. Donc, D sur D de T de V1, V2 est égal. Donc, V1 est égal. Donc, 2T, 1 T produit scalaire de la dérivée de V2, il 4. Moins 1, moins 1, plus V2. Il y a 4t moins t moins t. Produit scalaire, il y a la dérivée de lv1, il y a 2, 1, 0. Donc, il égal. Donc, en dehors, selon la ligne, il y a 8t. Quand il y l'autre ligne, il y a plus 8t. Tout le monde, moins, à le produit, moins t. Moins T. Moins 1. Voilà. 0. Donc, on ce moment là. On a un 16 Moins 2. Il y a 14. T. 14 T. Moins 1. Donc, c'est D sur D de T. D le produit scalaire de LV1. V2. On voit le résultat. 4, 14 T moins 1. Genre. Le calcul direct, donc c'est exactement 14 t moins le 1, la dérivée d sur d de t' d le produit vectoriel lv produit vectoriel de V2, qui est égal 9 la méthode de calcul de la dérivée de produit scalaire, c'est d de V1 sur D de T produit vectoriel de V2 plus. V1, V1, produit vectoriel del d2 V2 sur d2 T. Donc, on ardeau d2 V1, c la notation, c'est 2, 1, 0. Produit vectoriel d'elle V2, et il y a 4T moins T moins -T, T, 4T moins T moins -T, T plus V1. V1 est 2T, T1. 2T, T1. Produit vectoriel de D2V2. D2V2 est 4 moins 1, moins 1. 4 moins 1, moins 1. Le 1 est le 2 produit vectoriel. Il y a t, t, un, t, t, un. Y a Donc, on a selon I1, selon I2, selon I3. De même ici, selon I1, selon I2. 3. Donc, il a la composante selon I1 quand je vois la première ligne, on a qu'un déterminant donc 1 fois moins T, il y a moins T et a 0 fois T, il y a 0 donc moins T I1 Mais nous la composante selon I2 quand je vois la deuxième ligne, on a un moins bien sûr, 2 fois moins T, il y a moins de T avec le moins avec 0, 0 fois 4T, il 0. Donc, on prend des plus 2T selon I2. thomas je vois la troisième ligne. Donc, selon I3, on a 2 moins 2T, plus moins 2T, moins 4T. Et on a moins 2, moins 4, il y a moins, moins 6, moins 6. 3. Moins 6t, i3. De même, pour le produit vectoriel, hein, je vois la première ligne selon i1. Donc, on a un déterminant moins t plus 1. Donc, plus moins t moins moins 1. Et en plus 1 selon i1. Et selon i2, selon i2, on a un moins, Donc, la première ligne, qui il fait plus. Le moins, non plus. De même, ici plus, moins, plus. Donc, 2T, fois moins 1, moins 4. Il y a moins 2 et moins 4, selon I2. Deux mois, la troisième ligne, plus plus. dit un plus, plus, non, plus, non moins 2t, moins 4t, selon i3. C'est qu'à ça, oui. Donc, on dit qu'il y a moins t et 1 On dit il y a moins t et 1 moins moins i1. Plus, on dit 2t selon i2. Voilà, c'est moins c'est plus 2t selon I2 plus 4 selon I2 tout le monde selon I3, on moins 6 t I3 tout le monde a moins 6 t I3 l'album qui n'obstant donc il est égal moins 2t moins 1 facteur de I1 tout le monde selon I2 2t plus 2t plus 4t plus 4 selon i2 moins 6 moins 6, il y a moins 12t selon i3. Donc, il y a la dérivée par rapport au temps, il y a le V1, produit vectoriel, il y a le V2, je compare ma résultat, il y a la dérivée. Donc, il y a les moins de t plus 1 et 1, 4t plus 4, tout le monde moins 2, cest un plus, un moins, j'ai trouvé moins. Donc, Donc, selon et 1, DNA un plus 1, exactement, il y plus. 4t plus 4, tout le monde moins 12, t selon et 3. Après le calcul, on a de la vidéo, je vous je Khalid j'espère que vous نتمنى من الاخوان انهم يبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالهم ويتابعونا على قناه الناجحه لسيونس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته